Bonjour à toutes, me voici dans une toute nouvelle vidéo. J'avais déjà commencé avec mes coques d'iPhone et là ça va être pareil, ça va être sur ma collection en fait de sacs, mais pas tous mes sacs, mais sacs à petit prix. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser et puis je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par la marque, j'ai deux marques où j'ai qu'un seul sac. Donc une marque, bon en fait c'est un petit chinois, entre guillemets, c'est une petite boutique chinoise. Dans le centre de Paris. Donc voilà, donc c'est un sac comme ceci, un sac rouge avec des grandes poches, une devant et tout ça, une même derrière et tout ça, plein de poches. Et en fait, j'avais pas de sac de couleur un peu vive, un peu rouge. Voilà, donc à l'intérieur, il est comme ceci. Donc il y a les deux poches, là vous savez, souvent on a ces poches-là, une grande, une petite pour téléphone. Une poche qui se ferme avec un zip et tout. Et je le trouve bien fini. Je trouve qu'il y a une grande poche au milieu aussi, vous savez. Grande poche avec le cintre, donc on peut séparer en deux. Je trouve qu'il est assez grand, on peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà. Moi j'aime les grands sacs hein, généralement, ou alors c'est des pochettes. Voilà, faut choisir, ou c'est un sac ou c'est une pochette. Donc voilà, un grand sac rouge et tout ça, une petite boutique chinoise. Donc voilà, je vais continuer avec... Je me suis acheté un sac, il était à 5 €. 5 euros en solde et tout ça chez Jennifer. Je trouvais qu'il était un peu original. C'est un petit là pour une fois. Il y a encore des trucs dedans. Et donc voilà, il était. Je trouvais que la texture, la matière, enfin tout était un petit peu original. Donc il est comme ceci. Il est en tissu, je sais pas si vous voyez, avec des petites finitions de cuir noir et tout. Il est super joli en anse comme ça. Et à l'intérieur, il s'ouvre comme ça. À l'intérieur, pareil, on a une petite poche qui se ferme avec la grande fermeture éclair. Et de l'autre côté, une poche moyenne, une poche petite, ici, voilà. Donc noir, tout simple, à l'intérieur, un peu petit, mais je le trouvais très joli, je trouvais que la couleur était très jolie, de chez Jennifer. Donc voilà. Ensuite, je vais continuer par un magasin où j'achète quelques trucs. Généralement, c'est des bijoux que j'achète là-bas. Mais là, pour le coup, c'est des sacs ou des pochettes et tout. Et j'avais craqué tout, premièrement pour un sac noir et tout. J'aimais bien, je le trouvais un peu girly et tout. Et c'est un sac que je porte en bandoulière. Je le porte en bandoulière. Donc c'est un sac comme ça, noir, avec la grande bandoulière. Il est comme ceci. Il se ferme comme ça. Et s'ouvre, vous savez, on appuie comme ça, là. Il s'ouvre, bon là. Il est joli, j'aime beaucoup la petite dentelle qu'il y a ici en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà la petite dentelle qu'il y a ici, je la trouve très jolie. Il y a deux grandes poches ici, voilà comme ça et comme ça. Et à l'intérieur, on retrouve la même chose que dans les autres sacs. La poche comme ça en zip ici. Et de l'autre côté, une poche moyenne. Je sais pas si je vous ai bien. Une poche moyenne et une petite poche de chez Six. Vraiment, ils sont pas trop chers et tout. J'aime beaucoup Six comme magasin, même pour les bijoux. Je trouve qu'il reste pas trop cheap et assez sympa. Puis c'est un sac que je porte en bandoulière, un sac noir. Voilà, c'est mon sac de bandoulière. Un autre sur lequel j'avais craqué, qui est un peu différent, mais je trouve tellement joli quoi. Voilà, c'est mon sac pareil que je porte en bandoulière et tout. Un sac de chez Six. Qui s'ouvre comme ceci et qu'on retrouve les deux mêmes poches, vous savez, la grande poche et les deux autres petites de l'autre côté. Non, il n'y en a qu'une d'ailleurs, il y a une petite de l'autre côté, il n'y en a pas de moyenne sur celui-là. Et je le trouve super joli, je le trouve pour avec un jean et tout, il est décontracté, il est super joli, voilà, il fait militaire et tout, tissu comme ça et tout. Il est super beau, voilà. Moi j'ai rajouté un petit truc, bon ça c'était parce que j'avais un bracelet, du coup je ne peux pas le mettre et comme il s'ouvre tout le temps, enfin, je l'ai mis sur mon sac, ça c'est autre chose. Donc voilà, de chez Six, c'est la dernière chose de chez Six, c'est ceci, c'est une petite pochette, pochette sac en fait, qu'on peut porter avec une anse comme ça, je sais pas si vous allez voir la couleur de la anse. Voilà, la matière, elle est super belle quoi. Petite pochette pour une soirée. Elle est trop jolie. Donc oui, voilà, elle est aimantée.
À l'intérieur, on peut pas mettre grand chose, effectivement, portable, carte bleue, ou comme ça. Il y a une petite poche ici. Sinon, elle est comme ceci. Elle n'est pas très très grande, on peut pas mettre grand chose. Oui, voilà, c'est ça. Portable, petit tout de transport si on y va en transport. Carte bleue, permis, si on y va en permis, les clés, voilà. Pas grand chose, mais très pratique. C'est pas la trousse de survie non plus, hein. Voilà. Donc ça, c'était chez Six. Et je trouve que c'est très bien, Six, pour les petits prix. Ensuite, je vais passer chez H&M. H&M aussi, j'ai pas mal de choses chez H&M. Donc, je me suis acheté un sac au niveau de la couleur. C'était la couleur qui me plaisait le plus et la forme comme ça, un peu forme qui est assez ronde, assez portable, enfin, grand et tout ça. On retrouve les mêmes poches, la moyenne, la petite, la zippée. Et il est camel. L'intérieur aussi est camel. Et voilà quoi, vraiment, qu'est-ce que dire quoi. Un sac H&M tout simple. Mais je trouvais que il rend super bien quoi. Il rend super bien la petite once, voilà. Il était super joli, donc H&M. Donc voilà, continue chez H&M. Quelque chose d'un peu plus original, que j'ai un peu du mal à porter tous les jours. Donc je peux le porter en once ou sans, enfin voilà, je peux l'enlever. La once comme ça. Et sinon, c'est un sac comme ceci, en fourrure noire. Voilà, je le trouve très joli, il fait le petit effet décalé quand on porte une robe simple et tout, noire et tout, petite veste. Il est très joli, voilà, il est rond, un peu c'est un peu la même forme que l'autre, que le camel, mais voilà. Et puis on retrouve pareil, une poche zippée, deux poches, une moyenne, une petite. Il est super joli quoi, mon sac à main en fourrure, il est trop beau. Voilà. Et chez H&M, au niveau des pochettes, je me suis pris deux... Enfin, je me suis pas tout pris hier, hein. Je veux dire, ça fait des années que je trimballe certains articles, d'autres un peu moins. Celui-là, c'était en solde l'année dernière. D'ailleurs, bah, l'autre aussi, les deux pochettes, c'était en solde l'année dernière. Donc, c'est une grande pochette comme ceci, qui est très sympa. Avec, on peut l'ouvrir où ? Nous avons la première poche et il y a un espace ici avec la lanière, voilà. On puisse porter mon sac en pochette ou en sac, donc avec une grande poche zippée là comme ça le long. Elle est assez grande et on peut aussi enlever la petite poche et il y a un autre compartiment devant comme ça avec un vide. Donc c'est sympa quand on veut prendre des cahiers, des sacs, des trucs, des feuilles, des enveloppes, des petits papiers et tout. Peut-être pas que quand elle est portée un peu ronde, je trouve qu'elle est moins jolie, donc évitez de mettre trop de choses. Les portables ça passe, mais après voilà, pas de truc qui bombe. Je la trouve jolie, toute simple, en forme d'enveloppe comme ça, avec la lanière. Elle est vraiment... Et puis elle est en daim, en cuir, comme ça. Je la trouve très jolie, très classe, très sobre. Et une autre qui est complètement différente et qui est sublime avec la couleur et tout, vous allez voir. C'est celle-ci. Donc elle se porte comme ceci, se range. Voilà, donc elle se porte comme ça. Ou alors, bien sûr, encore une fois, avec... La lanière qui est noire en cuir, voilà, que moi je rentre et tout ça quand je la porte en pochette. Il est super beau ce petit sac, ce petite pochette, ce vert plus haut là comme ça et ces petites finitions noires tachetées là. Elle est super belle et à l'intérieur il n'y a pas de poche, elle est juste verte à l'intérieur comme ça ouverte. Elle est trop jolie quoi, la couleur mais elle pète quoi, enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, on se balade avec ça, c'est l'accessoire qui fait tout et il est magnifique. Voilà, magnifique. Donc chez H&M, ensuite chez New Look. Alors chez New Look, c'est souvent l'endroit où j'achète mes sacs, donc voilà, donc il y en a. Un petit sac qui se porte comme ceci, voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit sac comme ceci. Il y a aussi une lanière, bon là je l'ai pas et tout, mais beige comme ça avec la finition un peu style tailleur et tout, j'aime beaucoup. Tailleur Chanel là, et donc il s'ouvre. On peut aussi fermer sur avec les trucs parce qu'ils sont aimantés, c'est pas ça qu'on ouvre. Donc on l'ouvre comme ceci. Pareil, on retrouve, comme je vous disais, la pochette zippée et les deux petites poches, une moyenne et une grande, enfin une moyenne une petite. Et tout simple, intérieur beige et tout comme ça. La couleur est sympa, le rendu est sympa. Je trouve qu'il fait classe et tout, porté. Même juste porté ou tenu comme ça et tout. Il est très joli. Voilà. Donc chez New Look. Pareil, on continue chez New Look.
Pour la couleur, je l'avais pris parce que j'aimais bien la couleur. C'était les couleurs d'hiver et tout. Je trouvais sympa. C'est celui-là. Voilà, un sac très joli. Il est vert, vert foncé, mais c'est un très joli quoi. Pareil, on l'ouvre ici. Et à l'intérieur, on retrouve une petite pochette d'un côté et une pochette zippée de l'autre. Voilà, et à l'intérieur, il est grand, il est vaste. Alors, on peut aussi mettre pas mal de choses. C'est un grand sac. Un grand petit sac, voilà. Un grand petit sac, comme je suis dit ça. Il est petit, mais il est grand en quantité à l'intérieur qu'on puisse mettre. Voilà, et ensuite, le dernier sac aussi chez New Look, c'est cette couleur-là. Regardez-moi cette couleur. Bon, là, il était rangé, donc effectivement, il se peut plisser, mais dès qu'ils sont un peu sortis... Je les sors la veille, moi, les sacs, et je mets quelques fringues dedans si je sais que je vais l'utiliser. Donc, il est comme ceci derrière. Il est comme cela avec une pochette comme ça ici. J'aime beaucoup les pochettes un peu extérieures qu'on puisse mettre nos titres de transport qui sont... Prenez-moi à ouvrir le sac toutes les 3 secondes. Donc, voilà. Et à l'intérieur, on retrouve une pochette zippée et deux petites pochettes sur le côté. Et pas de pochette centrale. Il y a juste noir, tout simple, un tout à l'intérieur. Donc un peu plus grand que l'autre déjà. Et avec une capacité importante. Et en ce qui concerne les pochettes et les petits sacs. Voilà, je m'étais pris un petit sac parce que je le trouvais joli. C'est moi tout ce qui est clou et pique. Donc voilà, il se porte comme ceci. Une anse comme ça, avec les petits détails comme ceci. Voilà. Et il est trop joli. Regardez les petits clous et tout, la petite fermeture qui est comme ça. Je sais pas si vous voyez, elle est trop jolie. Et là, par contre, on peut mettre un peu plus de choses déjà. Donc, petit rouge à lèvres, des petits ustensiles, ça. Et une pochette zippée. Et une pochette ici pour le portable, si on veut mettre son portable ou autre. Voilà, il est très joli. Voilà. Donc, chez New Look aussi. Encore chez New Look. Une pochette avec une anse comme ça, voilà, une anse comme ça dorée, parce que les détails sont dorés, et elle est comme ceci, donc voilà, elle est blanche et dorée, blanche, noire et dorée, elle est juste magnifique quoi. Bon là, elle est un peu aplatie, mais il suffit voilà, de remettre quelques trucs à l'intérieur, effectivement, donc la capacité est assez importante aussi, elle est magnifique. Et à l'intérieur... Une pochette zippée et une petite pochette pour le portable. Franchement, les pochettes chez New Look, comment expliquer que je les adore. Je les trouve trop belles, quoi. Voilà, une pochette noire et blanche. Une petite pochette aussi. Bon, là, c'est vraiment qu'une pochette parce qu'il n'y a pas de hanse. Donc, une pochette comme ceci. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le petit détail un peu... je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, voilà. Donc, c'est serpent, je sais pas trop. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce petit détail avec les petits trucs dorés. Donc toute simple, et à l'intérieur pareil, une pochette zippée comme ça et tout le long, et avec une capacité quand même assez importante. Vraiment très mignonne, très simple, ça c'est juste une pochette par contre, vraiment très mignonne, très simple. Je l'ai trouvée jolie, et elle était pas chère, je l'ai en soie celle-là d'ailleurs. Et là par contre, vous pouvez la retrouver encore en ce moment je pense chez New Look, parce que c'est un de mes derniers achats de chez New Look. C'est une pochette comme ceci, que j'ai portée à un mariage d'ailleurs. Elle est mais magnifique. Petit détail corail, les petits liserés en noir là comme ça. Je trouve que les détails sont sympas. Elle est en or avec la anse en or aussi en chaîne comme ça. Et quand on l'ouvre, pareil, petit détail, une pochette zippée et de l'autre côté une petite pochette pour le téléphone. Elle a une capacité immense. J'ai mis portefeuille, j'ai mis tous les ustensiles que j'avais besoin et tout, même les... semelles pour chaussures, j'ai vraiment tout mis à l'intérieur quand j'ai eu un mariage et tout, les lunettes de soleil, tout est rentré dedans. Donc voilà, une grande capacité, une pochette juste sublime, beige et corail. Et on passe aux derniers achats et tout que j'ai fait aussi, c'est chez Primark. Alors je pense que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo haul Primark, mais là c'est ça, voilà, cette pochette juste sublime, avec le petit liseré doré, avec les effets là comme ça. Style bon, serpent ou peau ou cuir, je sais pas quoi. Petit effet, elle était à 7 €. Et donc, il y a une petite anse comme ceci pour le poignet, que je trouve pas négligeable. Et un petit espace ici pour un téléphone portable ou autre. Et elle a une capacité quand même assez sympa et tout. Pareil, je l'ai mis le lendemain du mariage, donc j'ai un peu moins de choses, mais
Voilà, elle était juste parfaite quoi, elle est sympa. Juste parfaite pour 7€ en ce moment encore chez Primark. Foncez. Voilà, et une autre pochette que j'ai pas encore utilisée, que je pense utiliser si je... pour les plages ou les soirées d'été. Regardez ça. Voilà, elle est trop belle et tout. Elle est en... voilà, je sais pas si vous voyez l'effet plastique et tout. Elle est juste magnifique cette pochette avec cette petite anse et tout. Je pense pour la plage et tout, mettre crème solaire ou je sais pas, je trouverais bien lunettes de soleil et crème solaire, ça suffira très très bien. Elle est en plastique, elle protège, franchement elle est sublime. Et si je vous parle du prix, regardez, voilà, 3€. Qu'est-ce qu'on dit de mieux? Elle est trop belle, regardez avec ses cheveux, ses couleurs, elle est sublime. Je crois qu'il y a même un maillot de bain qui est un peu avec ces motifs là et tout là-bas, mais... sublime. Et voilà, Primark, moi j'ai craqué, j'ai encore été il n'y a pas longtemps, j'ai recraqué. Je remettrai dans un prochain haul, vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc c'était ma petite collection de sacs à petit prix. J'espère que ça vous a donné des idées et vous donné des bonnes adresses entre guillemets. Il n'y a pas grand chose, hein. Moi c'est New Look, H&M, Six, Primark. Et puis si on trouve des trucs sympas chez les Chinois quand on a besoin d'une petite couleur sympa, pourquoi mettre 100€ dans un sac quand on peut en mettre 10 à 20, voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît ou pas et puis voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt.